Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve avec Flynn, un petit berger australien de 3 mois et je vais vous montrer un exercice d'autocontrôle à faire avec votre chiot. Allez, c'est parti! Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous permet de nous soutenir. Quand on a commencé à tourner la vidéo, j'ai eu une idée d'exercice parce que quand j'ai sorti le paquet de friandises de mon sac, le chiot a voulu se ruer dessus. Et du coup, j'ai travaillé un premier exercice d'autocontrôle et je vais d'abord vous le montrer avant l'exercice que je voulais travailler à la base. Donc ici, au moment de sortir les friandises du sac, s'il s'excite, je ne récompense pas. J'attends qu'il se calme et dès qu'il se calme, là, je sors les friandises et je le récompense. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo. Donc je vais vous montrer un deuxième exercice que vous pouvez faire avec votre chiot pour travailler ses autocontrôles. Vous allez déposer une friandise sur la paume de votre main et vous allez descendre votre main vers le chiot. S'il commence à s'exciter ou à vouloir attraper la friandise, vous refermez simplement votre main pour qu'il n'y ait plus accès. Par contre, si au contraire, il est très calme, il ne fait rien, il n'essaye pas d'attraper la friandise, là vous allez pouvoir récompenser. Donc vous pouvez soit l'autoriser à prendre la friandise avec un OK, donc un ordre libérateur, ou alors vous pouvez récompenser en utilisant votre autre main pour lui donner la friandise. Donc dès qu'il essaye de toucher la friandise, vous refermez votre main et dès qu'il est calme, vous pouvez l'autoriser à la manger. Donc vous allez voir que votre chiot va très vite comprendre que dès qu'il est calme, il peut obtenir la friandise. Alors que s'il ne l'est pas, il n'aura absolument rien. Le fait de travailler des autocontrôles, c'est hyper important, surtout avec un chiot, parce que ça va lui apprendre à être calme dans diverses situations. Par exemple, quand il y a une voiture qui passe, pour certains chiens qui ont tendance à poursuivre les voitures, il y a des gens qui passent, des vélos, etc. Ça va être super utile pour votre quotidien. Donc voilà, j'espère que ces petits exercices vous auront plu. N'hésitez pas à m'envoyer des vidéos si vous le faites avec vos chiens. Gardez la patte sur le cœur et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bye!